Allez, le chef est en train de dire à ses troupes, faites du spectacle, mais n'en faites pas trop, ça va partir. Allez, c'est parti, super départ de Gonnet. Ça m'étonne. Non, c'est bizarre. Ouais. Deuxième Romain. C'est Moine, non ? Non, c'est Romain Joffre. Romain, trois Moines, quatre Maliges. Donc là, on a la... On a la première ligne. Hop là là. Ça bourrine, comme tu dis, parce qu'on est passé sur le macadam. Et forcément, ça a un petit peu changé la donne. Allez. Et pour l'instant, Gonnet a fait le plus difficile. Il est parti devant. Romain Joffre derrière, Pierre Moine. Et ensuite, on doit retrouver, je pense, Juan Van Chang, qui est peut-être bien revenu quatrième. C'est le 76. Ah non ? C'est content alors qu'il remontait. Je crois bien. Non, 76. 76. C'est Hugo Roche. Ah oui, c'est Hugo Roche. Ouais, super Hugo Roche. Ouais, qui est revenu de la troisième ligne dans la première partie de ce peloton. Alors qu'on a un pilote au ralenti. On a un pilote au ralenti. J'ai pas vu qui c'était. Et quand on passe sur le premier tour avec Vivien Gonnet en tête, avec Romain Joffre à une seconde 8, Pierre Moine derrière, Hugo Roche. Oui, Hugo Roche, bravo Hugo. Ouais, c'est bien Hugo, ouais. Mali 5, Coton 6, Van Chank 7, Duvert 8, Goguet 9, Renault 10, Montgarny, Jonathan avec la moto électrique 11. De la Vega, c'est bien aussi, 12e. Ouais, c'est bien. Nigon, Vironnaise, Maïk, Robin, Brancy, Montgarny et Pidou. Il y a des petits problèmes, je crois. Je crois qu'il est, il est tombé là. Je crois qu'il y a eu un accrochage. Il y a un petit problème à la poignée gauche. D'accord. Papa Roche doit être fier de son fils. Il peut. Il roule bien en plus. Alexandre, qu'on resalue, lui qui a été finisher de la Gilles Lallet Classique, à ses pariages, pour vous dire, dans la carrière de motard. Et pour l'instant, il y en a un qui est en train de se balader encore une fois. C'est Vivien Gonnet. Non, mais c'est incroyable. Attends, Vivien Gonnet, regardez, il passe, il a déjà mis combien ? Mais 3 secondes 2 à Romain Joffre. Romain Joffre, c'est pas n'importe qui quand même. Il est sur une autre planète. Alors la moto est exceptionnelle, la moto bien sûr. Mais merci aux établissements Roland du côté de Briançon. Je vais avoir la chance de l'essayer. J'ai demandé et il a dit oui. Grégoire Martinez est arrêté, monsieur. Ah mince. Il a un souci, ouais. Ah mince. Il était déjà là-bas arrêté dans la remontée. Ouais. Et là, on est en train de suivre celui que personne jusqu'à présent n'a réussi à contrer, c'est Vivien Gonnet. Vivien Gonnet, grand chelem l'année dernière. Cette année, pour l'instant, il a gagné les trois premières finales de Valto. Il est en tête de celle-ci, avec en plus un record du tour. Bon, contrairement à la voiture, il n'y a pas de points supplémentaires. Hein. Ouais. Allez, on va suivre la moto électrique, la Star Wars. Alors, où c'est qu'il en est ? Il est 11e. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, devant Véronèse, de la Vega Nigon, ouais, bien. C'est bien pour Jonathan Montgarny, et c'est pas un perdreau de l'année, sans lui faire injure à notre ami Jonathan. Donc c'est bien ce qu'il est en train de faire, Jonathan Montgarny. Allez, Kevin Malige a passé Hugo Roche. Kevin Malige, il est quatrième pour l'instant, il a déplacé Hugo Roche. Allez Hugo, il faut tenir, ça klaxonne derrière avec Coton, Duvert, il y a du monde derrière. Comme tu dis, ça klaxonne. Allez, Juan Wang Chang, ça klaxonne dur. Ouais. Allez, Adrien Goguet à l'intérieur avec la 2,5. Mais pour l'instant, personne ne peut rien faire. Hein. Vraiment, Vivien Gonnet, c'est l'homme de la situation. En plus, on l'a vu quelques fois au volant de la voiture, puisqu'il a essayé la voiture sur glace. Il avait fait un excellent résultat. Sacré bonhomme que ce Vivien Gonnet, double ou triple champion de France de course sur glace, on peut ça exister. Ouais. Je ne me souviens plus. Donc, sacré palmarès. Et là, il a 5 secondes d'avance maintenant sur Roff, 7 secondes sur Pierre Moine. Mais Pierre Moine, il est là quand même. C'est bien. N'oublions pas ce qu'il est en train de faire, Pierre Moine, parce qu'il est 3e pour l'instant. Allez, Hugo Roche, ça tient pour le moment, la 4e place. Ça klaxonne là-bas. Regarde à l'intérieur, regarde, attention. Ça va passer peut-être. Rudy Coton, là, c'est impossible, ça passe, à moins qu'il se rate. Mais... Non, c'est pas passé. Il est pas loin, Rudy Coton. Ouais, il est tout près. Rudy Coton, il y a 3 dixièmes entre les deux pilotes au passage sur la ligne. Donc, attaque incessante. Et puis, il lui met la pression. Là sur Hugo. Non, c'est bon. Chaud l'intérieur là, c'est bon, avant la montée. C'est bon. Allez, un tour pour Vivien Gonnet, la balade. Alors il a tout, le record du tour, le machin, le truc. Ça se passe pas trop mal, oui. Non, mais ça va. regarde comme il a l'air tranquille. Voilà. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Quand vous êtes sur deux roues quand même, il faut la notion d'équilibre en plus, il faut maîtriser tout le truc. Lui, il a l'air de faire ça comme s'il allait, se balader. Ah non, c'est hallucinant. Super Romain Joffre, deuxième place. Deuxième, Pierre Moine 3. Pierre Moine, et pour l'instant, on a le podium. Qu'est-ce que ça dit Hugo ? Eh bien, il est 5. Il est 5, mais il est menacé par Coton toujours. Hein. Il y a toujours ces 3 petits dixièmes d'écart là, entre Hugo. Les deux pilotes. Allez, ça sera un super résultat.
Alors, Noël Duvert aussi derrière, ça klaxonne. Joan Wangchang, Goguet, là on a une bonne équipe. Là on suit Vivien Gonnet. Allez, Adrien Goguet dans la descente, non ça passera pas. On suit Vivien Gonnet, là il est presque arrivé, José. Regarde, il va passer la ligne sur la roue arrière. Ouais, super. Et voilà, c'est fait. Vivien Gonnet qui remporte une nouvelle victoire. C'est la 16e ou 17e ou 18e d'affilée. Romain Geoffre, deuxième. Deuxième Romain Geoffre. Troisième Pierre Moine. Voilà. Bon, le classement général, ils sont pas emmerdants. Quatrième Maligne, je ne dois pas être bien loin. Pareil, quatrième aussi. Attends, on attend qu'il passe la ligne quand même. Allez, Hugo Roche. Maligne, 4. Génial. Hugo Roche, 5. Coton, 6. Oh, Alex, il va être content. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu là? On a un pilote qui a eu un souci là. C'est Adrien Goguet, non? Qui s'est retrouvé expulsé à l'extérieur. Le caméraman, il a eu chaud là. Hein. Bon. Regardez, on a un gros plan. Le caméraman, il ne pouvait pas être plus près. Hein. Ah, voilà. Là, oui, oui. Attention, Adrien, au câble électrique, s'il te plaît. Ah oui. Attention, Adrien. Ah, les câbles. Attention, les câbles. Voilà. Lève ta moto, s'il te plaît.